Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Top Spin 2K25 pour la suite de la formidable carrière de Raphaël Mandal. Raphaël Mandal qui explose tout sur son passage, sauf ses adversaires malheureusement. Raphaël Mandal qui est la risée du monde du tennis, ses parents voudraient ne même plus le reconnaître, c'est en tout cas ce qu'on les rumeurs hein, qu'il y a actuellement. Raphaël Mandal qui va devoir là et hausser son niveau de jeu, clairement. La saison sur gazon va commencer. Il a une nouvelle tenue toute blanche. On l'avait dit, hein, on l'avait dit. On ne pouvait plus continuer avec ses tenues farfelues. Et c'est peut-être ce qui va tout changer. Peut-être ce qui va tout changer, même si on a quelques doutes. Aujourd'hui, on va déjà partir pour le tournoi de Brighton, donc, sur le gazon. Mais avant, évidemment, petit entraînement hein, pour Raphaël qui en a grandement besoin. Bon, écoutez, pour 190 XP, parce qu'il a besoin d'XP, hein, ça c'est sûr, je pense qu'on va prendre le premier truc. Cible séquentielle, argent, frappe de fond de court, il va falloir toucher les cibles dans l'ordre. On va voir hein, si Rafi, justement, sait compter, ce qui n'est pas dit. Et là, déjà, ça part très très mal hein, pour notre Rafi. Allez, ça c'est bien, maintenant, va falloir jouer long. Ce qui n'est pas sa grande spécialité, vous le voyez. Il a du mal à allonger ses coups. C'est un problème. C'est un problème. Même si là, c'est un petit peu mieux. Allez, mon Rafi, on déconne pas. Voilà, ça c'est bien. Allez, on a encore le temps. Tu as encore le temps. Voilà, la cible qui est touchée. Il y a encore 8 cibles à toucher. Ouais, c'était un peu tard, mais ça passe quand même. Allez, tranquille. Tranquille, voilà. 1. Là, on va aller chercher la zone 2. Ça, c'est bien. Vous voyez, il est pas si mal. Il est plutôt bien sur ses appuis. Maintenant, voilà, c'est loin d'être parfait. On le sait. Mais je trouve que finalement, cet entraînement, pour l'instant, se passe plutôt bien. Allez, faut conclure. Il te reste moins d'une minute quand même. Voilà. Oula. Oui, c'est pas grave. Heureusement, ça passe quand même. Et voilà, c'est un bel entraînement pour Raphaël Mandal qui va prendre énormément de confiance et qui gagne surtout 190 points d'XP. Bon, je vous fais grâce hein, de l'événement spécial que Raphaël a fait en Allemagne contre une junior femme inconnue. Il s'est pris un 10-2. Il s'est pris un 10-2. Autant dire qu'on pensait que voilà, ça allait l'entraîner, ça allait lui donner de la confiance. Avant son tournoi de Brighton, c'est tout l'inverse hein, qui s'est passé. Il est au fond du trou, psychologiquement, il est atteint. On craint le pire, évidemment. On part pas à Dublin en tournoi 500, c'est même pas la peine d'y penser. Tournoi 250, on espère un tirage, un tableau assez tranquille. Il va jouer contre le Géorgien Jasper Dixon, niveau 14, qui a 62 de service. 62 de réflexes, ça annonce une lutte acharnée hein, entre les deux hommes. Honnêtement, il ne l'a jamais joué. Eh bien, écoutez, Rafi, je sais pas, essaye de faire un exploit, essaye de nous faire rêver. Il y a des gens qui vont tout perdre à cause de toi, alors gagne. On te demande juste de gagner. Et oui, il fait beau ici au Victory Park, c'est assez exceptionnel hein, pour l'Angleterre. À Brighton. Au bord de la mer. Et Jasper Dixon, hein, 1m80, 75 kg, comme à peu près tous les joueurs de tennis. C'est peut-être voilà, ce qui manque à Rafi. Et en tout cas, on part directement pour ce match. Allez, le Géorgien au service. Allez, Rafi, là, directement, le bon retour. Oh, le Géorgien, là, qui a pris des risques. Monter à la volée sur un service pas terrible. Et ça, c'est bien pour Rafi qui en a profité. Allez, le bon service. Ah, par contre, là, Rafi qui a mal joué. C'est compliqué. Mais pour l'instant, Rafi qui court comme il peut. Hein, qui court comme il peut, mais qui est baladé. Un partout. Égalisation du Géorgien. Va falloir sortir des aces. Hein. Non, c'est pas vrai. Il a retenu un peu son coup, j'ai l'impression. Et ça va dans le filet. Et le Géorgien, donc, qui fait le break.
Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Il a pris son temps. C'était pas très bien joué de la part du Géorgien. 2-2. Match acharné entre les deux hommes. Et deuxième service. À Raphaël d'essayer d'en profiter. Compliqué, compliqué là. Allez, allez, ça c'est bien. Oh, il a quand même pas l'air fou, hein, ce Géorgien. C'est ta chance, c'est ta chance. Bon, Rafi. Ah, dommage, dommage. Eh, faute. Deuxième service. Il prend des risques, hein, au service. Il s'est raté là-dessus. Allez, c'est bien, c'est bien. Il a ajusté. 4-2. 4-2 pour Raphaël Mandal. Quand même un peu plus à l'aise, hein, sur gazon que sur terre battue. En même temps, c'est pas compliqué. Ah là là. Là-dessus, il doit progresser. Hein. Et oui, encore une fois, il fait la même erreur que tout à l'heure. 4-3 pour Raphaël Mandal. Ouais, c'est compliqué, mais là, il s'est bien battu, Raphaël. Il a été la chercher. Il a été la chercher. Il lève les bras au ciel. Il est fier de ce point. 5-3 à 2 points du match pour Raphaël Mandal. C'était pas très bien joué. Et là, voilà, voilà, tranquille. Non, il est pas dingue. Hein. Il est pas dingue, ce Géorgien. Et 6-3, 3 balles de match. 3 balles de match pour le Français ici à Brighton. La confiance qui reviendrait. Non, mon Raphaël, à chaque fois, tu nous fais le coup. Et le Géorgien qui sauve une première balle de match. Mais deux services à suivre pour Raphaël Mandal. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ressaisis-toi, mon Rafi. Plus qu'une balle de match. Raphaël, encore une fois, en train de craquer. Et là, le gros service, hein, du Géorgien, mais qui va à la faute dans le filet. Et Raphaël Mandal qui s'impose ici en quart de finale. 7 points à 5 contre Dixon. Le Géorgien, il en tremble. Hein. Notre Rafi, il lève les bras au ciel. Mais maintenant, il y a une demi-finale qui s'annonce compliquée pour le Français. Et en demi-finale, c'est l'Australien Bob Barker qui va jouer contre Raphaël. Bob Barker qui a déjà joué, hein, contre Rafi et qui avait sans doute gagné, hein, évidemment. 62 coups droits, 64 d'endurance. Pas une grosse puissance, hein, pour l'Australien. On verra, on verra. J'espère en tout cas que ce premier match face au très faible Géorgien a redonné confiance à Raphaël Mandal. Et oui, bienvenue pour ces demi-finales ici à Brighton. Ça se joue en nocturne. Et Raphaël Mandal qui a une occasion unique d'accéder à la finale. Et c'est l'Australien qui est au service. Oh, le retour. Oh, le retour. Elle est pleine ligne. Oh, Rafi, là, qui commence très fort. Et ça, c'est bon pour la confiance. Ah, ouais, ouais. L'Australien qui avait demandé la vidéo. Mais elle est bien pleine ligne. Et donc, 1-0 pour Raphaël Mandal, qui est au service. Allez, dans le filet. Deuxième service. Oh là là, la spéciale, hein. La spéciale Rafi, dans le filet, mauvais timing, et malheureusement, un partout. Un gros service de Raphaël, et ça c'est un bon revers, et ça fait 2-1, ça fait 2-1 pour Raphaël Mandal, qui est dans son match. Il veut accéder à son rêve, cette finale à Brighton. Un service médiocre, hein, de l'Australien. Allez, là, là. Ah, c'est pas bien joué, là, de la part de Raphaël. Et Raphaël un peu baladé, hein, sur le court. Ouais,
Il appuie pas ses coups. Allez, c'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Raphaël en grande difficulté, là, dans l'échange. Allez, faut allonger, faut essayer, en tout cas. Mais Raphaël qui subit, hein, qui subit. Ouais, non, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Même s'il se bat, hein, le petit. Mais là, voilà, l'Australien qui va finir ce point 2-2. Il a subi tout l'échange. Il n'a pas bien géré les occasions. Et 2-2, donc, entre les deux joueurs. Un gros service, cette fois-ci, de l'Australien. Et Raphaël en difficulté. Allez, allez, ça c'est bien, mon Raphaël qui prend l'avantage 3-2. Là, il a lâché son coup. Et tout de suite, ça a fait la différence. Deux services à suivre pour Raphaël Mandal. Deuxième service. Oh, la spéciale, il nous l'a fait plusieurs fois par match. Et 3-3. Match excessivement serré. Ça se mérite une place en finale. Ah là 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 là, il enchaîne. Encore une fois dans le filet. Celle-ci, ça fait je ne sais combien de fois qu'il nous l'a fait. Et attention, l'Australien qui a servi très vite. C'est pas mal. Allez là, peut-être. Allez, tu l'achèves. Ah, c'est heureusement l'Australien qui est parti à la faute. 4-4. Incroyable. Cette demi-finale où le suspense est à son comble. On bafouille. Hein. Allez, le gros retour. Et elle sort. Il l'avait vu. Il l'a laissé passer. 5-4. Raphaël Mandal à 2 points du match. À 2 points d'un rêve qui semblait inaccessible. Allez, sors-nous un ace, le gros service. Oh non. Oh mais non. Oh, c'est pas pour... On va pas s'énerver. 5-5. Allez, là, t'as tout le cours ouvert. Oh, il craque mentalement, encore une fois, dans les moments importants. Raphaël Mandal, balle de match pour l'Australien. Allez. Oui, il le fait. Il lâche pas. 6-6. Oh, Raphaël Mandal qui a sauvé une balle de match. Et ce point excessivement important. Encore une fois, beau marqueur au service. Au gros service, hein. Très gros service. Raphaël un peu en difficulté. Tu dois lâcher tes coups, mon grand. Oula, catastrophe. Nouvelle balle de match pour l'Australien. 7-6. Mais on sent bien, hein, qu'il tremble dans ces moments importants. Service moyen. Et Raphaël qui tente de monter à la volée. Ça, c'est bien. Il a pris des risques. Et encore une fois, il écarte une nouvelle balle de match. 7-7. Quelle demi-finale ici à Brighton. Allez, sors-nous l'ace, mon grand. Sors-nous l'ace. Non. Et Raphaël en difficulté, là, dans l'échange. Non, Raphaël dépassé, troisième balle de match pour l'Australien, beau marqueur. On sent bien que mentalement Raphaël est plus que limite. Allez. C'est
C'est pas mal, c'est pas mal. Il égalise, il la sauve encore. La troisième balle de match sauvée, 8-8. Match de titan, ici à Brighton. Oi, 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 oi. Quel suspense. Pardon. Oui. Oh. Mais non. Allez. Mais non. Mais non. Mais... Quel... On dit rien. On dit rien. On dit rien. 9-8. Pour Bo Barker. Balle de match à nouveau. La quatrième. Il a complètement craqué là, notre Rafi. Allez. Allez là. Oh, aïe, aïe. Oh, ça sent la fin. Ça sent... Et c'est terminé. C'est terminé. Raphaël Mandal, qui ne verra pas la finale à Brighton. Éliminé par l'Australien Bo Barker. 18. Il aurait effacé quoi? 3 balles de match? 4 balles de match? Je sais plus. Mais c'est une grande déception. On a vu que mentalement, encore une fois, il a craqué dans les moments importants. Il va falloir travailler ça côté français. Et oui, quand on regarde les stats, c'est les fautes directes de Raphaël qui le mettent dedans. 5 fautes directes contre 2. Alors qu'en point gagnant, c'est plutôt pas mal. Vraiment, c'est là-dessus que Raphaël doit travailler. On gagne un petit peu d'XP, mais malheureusement, on ne verra pas la finale. Bon, et Rafi qui prend quand même une place au classement mondial. 54e, 3 places au classement race. Même s'il y a une déception au final, bon, il progresse un petit peu. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé bien aller voir cette finale. Et oui, alors là, je vois par contre que Raphaël a peut-être besoin de repos, hein, parce que ça me semble juste, hein, pour ce mois-ci. Ça veut dire que la saison sur gazon aura été très très courte, à moins qu'on passe directement. Ouais, non, les tournois ATP 500, c'est pas possible. Ouais, non, je pense qu'on va prendre un mois de repos, hein, malheureusement pour Raphaël. Il a besoin après une demi-finale, ça me semble plus sûr. Et grâce à son mois de repos, Raphaël a perdu tout ce qu'il avait gagné. Hein. Il repère une place au classement mondial, c'est même pire. Il perd 4 places au classement race. Et oui, et la saison sur gazon est terminée. Hein. Et écoutez, ce sera un tournoi pour Raphaël au Mexique, où il aura 83% de forme quand même. Peut-être un peu moins, hein, si on fait l'événement spécial. Mais écoutez, sur dur au Mexique... On rêve d'un exploit, Raphaël. Gagner un match, encore une fois. Bon, et là, on va faire l'entraînement. Frappe dans le timing, volée pour 190 XP. Les entraînements sont hyper importants pour Raphaël. Ça devrait quand même pas, j'allais dire, être difficile. Il sera direct. Heureusement, il se reprend un petit peu. Bah, t'as le droit à 10 ratés, franchement. C'est quand même assez simple. Ok, on oublie ce qu'on a dit. C'est pas simple pour toi. Allez, bon, quand même, 3 sur 9. Oh, nom de Dieu. Je sais pas ce qu'on va faire de lui. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire de lui. Voilà, parfait. Quand il faut le critiquer. Et comme ça, il fait du parfait. Et voilà, ça le booste. Hein, ça le booste. Allez, 5 sur 9. Voilà, il enchaîne les parfaits. C'est un petit miracle. Bon, ça passe quand même. Allez, plus que 2 points. Et on est bien. Voilà, un entraînement plutôt bien géré hein, par Raphaël. Et voilà, c'est terminé. 190 XP dans la peau-poche. Et on devrait bientôt passer niveau 12. En tout cas, ça devrait bientôt arriver, ouais. Et là, on se retrouve à la fin de l'événement spécial. Et ben voilà, c'est terminé. Raphaël Mandal. Ah non, c'est pas fini, pardon. C'est le premier à 11. Mais Raphaël Mandal qui s'est fait exploser. Qui va perdre, voilà, 3-11, enfin 11-3 plutôt, sachant que Raphaël Mandal menait 3-0 hein, dans ce match, bravo champion. Mais écoutez, il va quand même prendre un petit peu d'XP, j'espère, enfin j'en suis pas certain, vous allez me dire. Si, et donc est-ce qu'il va passer niveau 12? Ah non, il gagne pas d'XP en fait, non ça servait à rien, hein, franchement. Et bah écoutez, on va directement partir pour ce tournoi au Mexique. On espère encore une fois un tirage favorable, même si ça s'annonce quand même encore une fois compliqué. Tout s'annonce compliqué avec Raphaël Mandal qui sera opposé au Suisse Kingsbury niveau 16 qui a 66 de vitesse, 66 d'endurance. Compliqué, hein. Compliqué, très compliqué. Est-ce que Raphaël va pouvoir faire l'exploit ? Welcome to the quarterfinals.
final of the El Arco Open, being played here at Diamond Lake Arena. Et bienvenue pour ce quart de finale au Mexique. Rafael Nadal qui veut absolument retrouver les demi-finales, mais ça va être compliqué hein, contre le Suisse. Rafael Nadal qui n'est clairement pas favori. Ah, le Suisse qui ne fait pas 1m80 et 75 kg. Déjà, petite surprise ici. Mais écoutez, j'espère que Rafael va se montrer au niveau. Rafael qui ne s'est pas entraîné, hein, qui a profité du soleil et qui en a bien besoin. En tout cas, Rafi au service. Allez, bon premier service. Et voilà, la spéciale de Rafi, ça commence bien. 1-0 pour le Suisse. On n'est pas rassuré du tout. La puissance du Suisse qui fait mal à Rafael Nadal. Elle est dehors, elle est dehors. 2-0 déjà. Aïe, 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 c'est compliqué. Là, c'est un point important. Allez, lâche tes coups, mon grand. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il pousse le Suisse à la faute. Qui la met dans le filet. Rafael qui revient à 2-1 en faveur du Suisse. Au premier service hein, de Rafael Nadal. Le coup slicé. Et ensuite Rafael qui enchaîne et qui surprend un petit peu le Suisse. Et Rafael qui recolle à 2-2. Il lâche pas là. Et ça c'est bien. Ça c'est nouveau. Presque. Allez, sors-nous l'ace là. Ouais, bon service. Et là tu conclus. Et voilà. Et voilà. 3-2 pour Rafael Nadal. Qui prend pour la première fois l'avantage dans ce match. Il faut pas lâcher, mon grand. Essayez de faire l'écart. Mais dommage. Ça a été un petit peu raté hein, de la part de Rafael Nadal. Qui essaye d'allonger ses coups. Et le revers. Le coup droit, pardon. En plein dans le filet. Encore une fois, la fameuse spéciale. Et 3-3. Elle sort! Elle sort! Il est resté concentré, même si tout n'était pas parfait. Rafael Nadal, 4-3. On souffle hein, dans le camp Nadal. On veut y croire. Mais dommage, dommage. Elle est dehors, deuxième service. Rafael qui a hésité à monter à la folie, mais ça marche quand même. 5-3, 2 points d'écart. À 2 points du match, Rafael Nadal. Il faut rester zen, il hein, faut rester zen. Allez, service médiocre. Le coup slicé. Attention, Rafael qui ouvre un petit peu le court. Oh là là, oh là là, et voilà, et voilà. Le Suisse qui revient à 5-4. Là encore, hein, on a senti la main tremblante de Rafi. Quelle balle de match à aller chercher. Attention, là, elle va sortir. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Elle était pas loin de la ligne. Rafael qui hésite à demander la vidéo. Mais non, il n'y aura pas de vidéo. 5-5. Point excessivement important. Attention, le bon service.
Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là, on est au fond du trou hein, dans le camp mandat. 6-5, balles de match. Balles de match pour le Suisse. Oh, et Raphaël qui nous sort l'ace au meilleur des moments. Ah, pour une fois qu'il a fait preuve un peu de mental. 6-6. On va encore avoir un match incroyable ici au Mexique. Allez, bon service. Oui, oui, il le fait. Balle de match pour Raphaël Mandal. Oh, le Suisse qui n'en revient pas. Il faut pas la louper celle-là, faut pas la louper. Et le Suisse qui monte directement à la volée. Et Raphaël qui la met dehors. Non, il a été surpris. Il a été surpris. Et 7-7, incroyable. Ouais, en même temps, ça aurait été incroyable aussi qu'il gagne ce match sur sa première balle. Et peut-être son unique balle de match. Attention, encore un point très important. Oh non. Balle de match pour le Suisse. 8-7. Il s'en veut. Il s'en veut. Rafi. Rafi au service. Mais bon, premier service. Oh, le retour, pas terrible. Rafi qui hésite, mais qui fait le point. Qui fait le point et qui serre les points, justement. 8-8. Mais c'est de la folie, ici au Mexique. Allez. Oui, oui. Oh, on a cru. Ah, il faut assurer. Voilà. Nouvelle balle de match. Nouvelle balle de match pour Raphaël Mandal. 9-8, là, faut pas craquer mentalement. Faut pas craquer. Allez, on se tait. Non. Je vais te péter les genoux, Rafi. Je vais te péter les genoux. On commence à s'énerver hein, dans le clan Mandal. 9-9. Service à suivre pour le Suisse. Attention, Raphaël en grande difficulté. L'amorti. Raphaël, oh. Non, vas-y. Mais non. Là. Il a surpassé coup, il a surpassé coup. Oh, le contre-pied. Et balle de match pour le Suisse. Il a eu plusieurs opportunités là dans ce jeu. Aïe, 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 aïe. Allez. Et non, deuxième service. Grand danger hein, pour Raphaël Mandal. Elle sort. Elle sort. Jeu 7 et match pour le Suisse. Raphaël Mandal, encore une fois, qui a montré toutes ses limites mentalement et qui s'incline dès les quarts de finale ici au Mexique. Énorme désillusion pour le Français. Mais voilà, hein, les stats parlent. Hein. Les stats parlent clairement. Le Suisse qui a fait que 2 points gagnants, mais seulement 3 fautes directes contre 6 points gagnants pour Raphaël et 8 fautes directes. Ça lui coûte le match, malheureusement. On est un peu dépité. Hein. On gagne quand même une place au classement mondial et on en perd 2 par contre au classement race. Eh bien écoutez, Raphaël va encore une fois devoir se remettre au travail, à l'entraînement. Mais c'est vrai qu'on est terriblement déçus hein, par la performance. Là, on regarde vite, juste vite. Ouais, non, on ira, je pense, à Amsterdam, hein, le tournoi 250. On sera à 75, normalement, ça devrait le faire. Mais déjà, un petit entraînement pour Rafi. Allez, Raphaël, qui est à l'entraînement, qui doit viser les cibles. Pour multiplier son score, il doit faire quand même un gros score, hein. 750 000. Pour l'instant, il est qu'à 9. Ce qui n'est pas rassurant, hein, clairement. Allez, essaye. Voilà, le x3, 27. C'est le x4, ce serait bien. Non, faut pas rêver. Reste sur le x3 alors. Voilà. 81, ça peut vite monter. Hein, ça peut très vite monter. Et x4. Allez, mon Rafi. Tu y te restes encore pas mal de temps. Hein, 1 minute 30. Applique-toi. x2. Ça va très très vite. x2, oui, assure, hein, si tu le sens pas le x4, si c'est trop compliqué pour toi, reste sur le x2, bon, ça devrait suffire hein, au bout d'un moment, ça va assez multiplier, on est à 31 000, il a tenté le x4, c'est raté, allez,
Voilà, tu fais que ça, et normalement, ça le fait. Hein. Faut arrêter de déconner. Alors là, il a tenté le x4. Bon, qu'est-ce que tu fais, là? Oh, on va pas y passer 107 ans. Le temps passe, il reste que 50 secondes. Je voudrais pas te mettre la pression. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? N'importe quoi. Assure les x2, et ça va le faire. Encore 2, et c'est bon. Oh là là, il faut tout lui dire. Hein. Faut tout lui dire. Oh, bah, il est pas intelligent. Hein. Voilà, c'est terminé. Les 190 d'XP, normalement, on va passer niveau 12. Et voilà, on va pouvoir se mettre quelques points supplémentaires. Et vous êtes bienvenus, c'est moi qui vous le dis. Bon, j'ai mis un point en coup droit, deux points en revers, deux points en puissance et un point en endurance. Écoutez, on sait pas trop, mais de toute façon, il faudrait mettre des points partout avec lui. Hein. Il est tellement mauvais que... Voilà, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Et on se retrouve pour l'événement spécial en double. Mandal et Lazou, encore une fois. C'est la deuxième fois qu'ils jouent ensemble. Et Mandal qui la met dehors. Lazou qui insulte d'ailleurs Rafi. Le premier à 7, victoire par 2. Point d'écart assez classique. Pour l'instant, en tout cas, la paire est pas mal puisqu'elle mène 5-4. C'est encore une fois, c'est pour la confiance, hein. C'est pour la confiance et pour Raphaël gagner avec Lazou. Ce serait une grosse surprise. Lazou qui n'a pas appuyé sa volée. Allez, bon, Lazou. Raphaël, là, qui peut peut-être conclure. Allez, Lazou. Toujours en difficulté. Et là, Raphaël, ouf, qui s'est battu pour amener cette balle. Allez, Raphaël qui appuie son coup. Lazou. Lazou qui joue à la baballe. On dirait du Rafi, mais ça marche avec Lazou. 6-4, deux balles de match pour la paire. Ben, j'allais dire française, mais Lazou, on n'en sait rien. Donc, pour la paire Mandal. Allez, n'importe quoi, Raphaël. Lazou qui insulte encore Mandal, mais Lazou, c'est dehors. Non, c'est dedans. On dit n'importe quoi. Et ça fait une victoire pour le duo. Écoutez, là, avant le tournoi d'Amsterdam... Rafi pouvait pas mieux le préparer. Allez, Raphaël qui prend l'avion de la Croatie à Amsterdam. Ça va hein, pour la fatigue. Et Raphaël qui tombe contre le grec Papadopoulos. Le grec qui l'a déjà joué au moins une fois, je m'en souviens très bien. Et malheureusement, c'est bien le grec hein, qui avait gagné. Écoutez, on part directement parce que Rafi, là, il a l'écrou. Oh oui, il a l'écrou. Il a l'écrou et je peux vous dire que là, il veut pas s'attarder. Hein. Ça va partir directement. Et d'ailleurs, c'est Papadopoulos au service. Allez, faute. Et deuxième service. Ah, je le sens bien, notre Rafi. Allez, le gros retour. Allez, attention, quand même, il court quand même un peu n'importe comment. Allez, faut lâcher les coups. Hein. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Et le grec qui peut rien faire. Et Rafi qui marque ce premier point de ce match, 1-0. Non mais je vous le dis, je le sens, je le sens. Allez, Rafi au service. Deuxième service. Oh, il lâche Sheko. Il lâche Sheko et ça passe. 2-0 pour Raphaël Mandal. Oh là, il est bien. Il est bien. Il est bien reposé. Il se sent comme chez lui, Amsterdam. On dira pas où il a été hier soir, mais il est en pleine forme. Allez. C'est bien, mais c'est bien. Il nous surprend. 3-0. Oh, le public médusé hein, pour l'instant. Le grec qui ne voit rien venir. Et deuxième service pour Papadopoulos. Complètement dépassé en ce début de match. Et la double faute. Et en plus, il craque mentalement. 4-0 pour Raphaël Mandal. Incroyable scénario ici. En quart de finale d'Amsterdam. Sur Raphaël un petit peu baladé, le coup slicé. Et Raphaël plutôt bien dans son match. Et qui lâche encore une fois le coup droit. La puissance 5-0 pour Raphaël Mandal. À deux points du match. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre ici.
Raphaël Mandallo au service. Attention, deuxième service. Attention, mon Rafi. Pas croire que c'est gagné. Et Rafi qui a voulu monter à la volée. Attention, attention. Ouais, attention, non, il ne sait pas se matcher. Ouais, attention, mon Rafi. Attention, attention, 5-1. Il y a encore de la marge, mais pas faire n'importe quoi. Allez. L'amorti, là, c'était plutôt bien joué. Ouais, mais le bon retour, là, du Papadopoulos. On aurait cru, on a, pour une fois qu'il réussit, c'est un amorti. Mais le grec qui a été là chercher. Attention, hein, 5-2. Va pas nous... va pas craquer, hein, mon Rafi. Sinon, on s'en remettrait pas. Hein. Sinon, terminado. Hein. Attention là, attention le grec ouais, qui a dominé, a fait une mandale dans cet échange. Et attention parce que il y avait 5-0, mais maintenant il y a 5-3. Il a un mental en mousse, hein. Il a un mental en mousse, notre Rafi. Là, faut vraiment faire le point. Hein. Oh là là, le contre-pied. 5-4, le retour fulgurant du grec. Et Justine Mandale, la maman de Rafi, quasiment en pleurs. Hein. Elle sera lette. Premier service. On sent la douille arriver, je peux vous le dire. Oh là là. Oh là là. On est dévasté là. 5-5. 2-5-0. Papadopoulos qui revient. 5-5. Et là, il y a une balle de match qui est en jeu. Hein. Balader hein, sur cet échange. Aïe, 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 aïe. 6-5 pour le grec. Balle de match pour le grec, c'est incroyable. C'est incroyable, Raphaël Mandal qui menait 5-0. On n'arrive pas à y croire. Elle sort. Elle sort, 6-6. Aussi, il gagne pas ce match. Aussi, il gagne pas ce match. Je vais vous dire qu'on est en stress. Hein. Allez. Oh, le coup raté. Elle sort. Balle de match, balle de match pour Papadopoulos. Rafi, qui a lu le ciel qui lui tombe sur la tête. C'est incroyable. Ah, il nous sort l'ace. Il nous sort l'ace. Il a encore un peu de ressources, 7-7. Oh non, elle sort, nouvelle balle de match pour Papadopoulos, 8-7, encore une fois un match très serré, alors qu'il n'était pas du tout serré au début, avec ce 5-0 de Rafi, on est au fond du trou. Oh, aïe, aïe. Non, 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 c'est pas vrai, c'est terminé, jeu, c'était match pour Papadopoulos. Oh, l'énorme désillusion pour Raphaël Mandal, en pleurs. Et ses parents qui quittent le cours, hein, furieux, furieux. Est-ce que c'est la fin de Raphaël Mandal? Rien n'est moins sûr. À mon avis, s'il ne gagne pas à Montpellier en fin d'année,
à mon avis, sa carrière sera terminée. On est énormément déçus aujourd'hui par ce mental en mousse. Il a juste un mental en mousse. Et il se fait insulter. Et il se fait insulter en plus par des supporters qui ont peut-être parié sur lui. Terrible pour Raphaël Mandal, qui donc s'incline contre Papadopoulos en quart de finale ici à Amsterdam.